temps? Qui serait capable de l'expliquer facilement et brièvement? Qui peut le concevoir, même en pensée, assez nettement, pour exprimer par des mots l'idée qu'il s'en fait? Est-il cependant notion plus familière et plus connue dont nous usions en parlant? Quand nous en parlons, nous comprenons sans doute ce que nous disons. Nous comprenons aussi si nous entendons un autre en parler. Qu'est-ce donc que le temps? Si personne ne me le demande, je le sais. Mais si on me demande et que je veuille l'expliquer, je ne le sais plus. Pourtant, je le déclare hardiment. Je sais que si rien ne passait, il n'y aurait pas de temps passé. Que si rien n'arrivait, il n'y aurait pas de temps à venir. Que si rien n'était, il n'y aurait pas de temps présent. Comment donc ces deux temps, le passé et l'avenir, sont-ils? Puisque le passé n'est plus et que l'avenir n'est pas encore. Quant au présent, s'il était toujours présent, s'il n'allait pas rejoindre le passé, il ne serait pas du temps, il serait de l'éternité. Donc, si le présent, pour être du temps, doit rejoindre le passé, comment pouvons-nous déclarer qu'il est aussi, lui qui ne peut être qu'en cessant d'être? Si bien que ce qui nous autorise à affirmer que le temps est, c'est qu'il tend à n'être.